Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je me débarrasse de quelques matériels parce que j'achète souvent des petites choses par-ci par-là et j'ai pas une chambre extensible. Alors je me débarrasse d'un peu de matériel que j'ai beaucoup parce que souvent quand j'ai des bons plans, je prends et généralement c'est par... j'en ai beaucoup. Donc voilà, donc je me débarrasse à petit prix. Voilà, donc pour comment acheter, vous mettez un commentaire. Enfin... Non, vous mettez pas de commentaires parce que je passe au-dessus, mais dans la barre d'infos, il y aura l'adresse où je vends ça. Parce que j'ai pris toutes les photos, mais à mon avis, d'ici la vidéo que soit postée, je n'aurai pas tout mis, je n'aurai pas le temps de tout mettre. Mais si il y a un produit qui vous intéresse, qui n'est pas sur la boutique, vous me dites, même s'il y en a plusieurs, en commentaire, voilà, c'est ça, vous mettez en commentaire. Et je le mettrai quand je reçois votre message le soir. Normalement il doit être sur la boutique. Donc voilà, après si j'ai pas le temps, voilà. Et donc après c'est les frais de port de la... Je suis sur mes trésors, donc après c'est par rapport à ce que vous prenez. Vous aurez les frais de port qui s'arrangeront. Enfin voilà, donc je vends quelques petites choses. On va commencer. Alors, j'ai rangé ça dans un petit tour hein. Déjà, je me sépare d'un petit sachet de... Je vais enlever ma petite carte. D'un petit sachet de perles de rocaille. Voilà. Donc, il est assez petit, mais il est assez épais, on va dire. Voilà, il y en a un petit peu parce que j'en ai pas mal. Donc, je me suis dit, je vais m'en débarrasser. Ensuite, donc là, il est disponible en une fois. Du faux sucre. Donc, ça, j'en avais acheté, mais je l'aime pas, ce sucre. J'utilise même pas de faux sucre, en fait. Donc c'est du faux sucre blanc. Donc il est senteur coco, noix de coco. Donc j'ai 3 sachets à me débarrasser. Voilà, et peut-être que je vous mettrai un quatrième. Donc il y a du blanc et du rouge. Voilà, du blanc et du rouge. Donc pour le sachet de perles, après les prix, je pense ça va être aux alentours de 50 centimes. Ça va être aux alentours pareil de 50 centimes. Ensuite les petits nœuds, donc un lot de nœuds. Donc un lot de nœuds que j'avais acheté, mais je les trouve trop gros pour mes bijoux. Donc après peut-être il y a des personnes qui aiment bien. Donc c'est un lot de nœuds comme ça. Donc il y a 2 nœuds en étoile beige. Hop là, je vais remettre la caméra. Trépied, il bouge. Un très bon trépied, mais... voilà, donc il y en a deux petits comme ça. Un comme ça, vert avec des points. Et un noir avec des étoiles. Donc voilà. Pour tous les petits nœuds. Ensuite, il y a deux nœuds. Hein. Il y a un lot de 3 nœuds comme ça. Donc là, les petits lots comme ça, voilà, ça coûte pas. Enfin, je sais pas combien je mettrai sur la boutique. Peut-être 1,50€, 2€. Les 3 comme ça, je pense que je vais mettre aux alentours de 90 centimes. Ce sont 3 petits nœuds comme ça. Voilà. Ensuite, des petits nœuds encore. Donc c'est un lot de 4 cette fois. Donc il y a 2 petits comme ça. En liberty. En rose. Voilà, 2 comme ça. Et un toujours en liberty, mais un autre style. Et encore un autre style en liberty. Donc les 4, 1€, je pense. Aux alentours d'un euro. Je verrai combien je le vends sur la boutique. Et ensuite, donc là, ça va être à la pièce. Donc c'est 30 centimes, je pense, la pièce. Je sais pas s'ils sont déjà mis, mais ça doit être 40 ou 30 centimes une pièce. Donc il y a du rose pâle, du bleu pâle, du violet pâle, du chocolat. Et du marron. Du noir. Voilà. Ensuite, il y a des moules. Donc, un moule petit biscuit. Ensuite, une petite base de cupcake. Donc, elle est toute petite, la base de cupcake. Et je sais que c'est très recherché. Un moule cookies. Donc, c'est un petit biscuit avec marqué cookies. Un moule pomme. Voilà. Donc, tous les moules sont flexibles. Ils sont bien flexibles. Petite pomme plate, un peu bombée, un petit dahlia, ensuite un plus grand dahlia, ensuite
Un moule de glace comme ça, donc il est assez propre. Voilà, donc tous les moules sont disponibles en une fois sauf lui, donc ce moule de glace qui est en deux fois. Donc c'est souvent des moules que j'ai réalisés en double. Petit bonbon comme ça, petite tablette de chocolat, un petit nœud encore comme ça, une petite rose. Voilà, une petite chantilly. Voilà, un petit nœud comme ça. Et je crois que ça va être tout après. Oui, un petit nœud comme le nœud d'Hello Kitty en fait. Donc c'est un nœud style Hello Kitty. Voilà. Ensuite, hop, c'est rangé dans le bouton, donc c'est pour ça que. Voilà. Des cannes. Donc l'histoire de quelques cannes. Pas mal parce que j'en ai pas mal et il y en a que j'utilise pas. Donc ce petit chat. Si le macro veut bien. Voilà ce petit chat. Ensuite, cette fraise. Voilà. Ensuite, petit bonhomme de neige, un peu un petit bonhomme en fait. Voilà, pas forcément un bonhomme de neige. Une Hello Kitty rose. À faire la macro, voilà, un kiwi. Hop. Je remets bien, j'ai plus beaucoup de batterie, donc voilà. Petit kiwi, une petite pomme, voilà. Voilà, une petite pomme. Ensuite, ça c'est encore enlevé. Un petit parfum, petite bouteille de parfum. Même si vous le mettez dans ce sens-là, vous pouvez même y voir un petit esquimau. Voilà. Une petite orange. Voilà. Une petite pastèque. Une petite fleur. Voilà. Un petit chat comme ça, un peu style manga en fait. Voilà. Une petite tête de Mickey. Toute mignonne. Un petit ourson qui tient à Love. Enfin, son ventre, c'est... il y a marqué Love dans son ventre. Voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment une bouteille de parfum. Bah là, pareil, je sais pas trop si c'est un esquimau ou une bouteille de parfum. Voilà, une petite fleur rouge. Voilà. Une petite grenouille. Elle est toute mignonne. Voilà. Donc pour les cannes, donc c'est 50 centimes la canne. Voilà. Ouais, je pense que ça va être le prix que je vais mettre. Donc là, voilà. Ensuite, ça reste encore pas mal. Donc là, 19 clous comme ça en fait. Donc c'est des doubles clous comme ça. Mais moi, j'aime pas trop ce genre de trucs. Donc voilà. 19 pièces, 2 euros. Voilà. En plastique, sont. En plastique, ensuite là il y a 22 et c'est des seuls en fait, ils sont seuls donc, pour un peu les couleurs, donc c'est 2 euros pareil. Là il y a 11 breloques pour 3 euros, donc c'est des breloques flancs de lys, comme ça. Ensuite les breloques, donc il y a 6 pièces, c'est 2 euros, donc c'est des. Voilà, pour les fleurs de lys, pareil, un peu plus, avec un peu plus de gravure. Ils sont plutôt jolis, mais moi, c'est pas le style de création que je fais. Hein. Voilà. Ouais, c'est la gourmandise, tout ça. Donc, ce genre de produit,
Moi, je n'utilise pas. Ensuite, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Donc, c'est 6 pièces, 3 euros. Donc, c'est des têtes de buffle. Alors, ça, je déteste à un point. Voilà, après, peut-être qu'il y en a qui aiment, mais moi, je déteste. Voilà. Elle est très très laide. Enfin, moi, j'aime pas. Ensuite, l'eau de jeu, je crois, il y a 10 paires de boucles d'oreilles américaines. Voilà. Donc, il est disponible en une fois. Je crois qu'il y a 20 clous à œil. Donc, en argenté. Donc, disponible en une fois. Des anneaux, donc des petits anneaux en bronze. Donc, il y en a une cinquantaine. J'ai pris 50 en fait. Et j'en ai rajouté une petite pincée. Donc, il y a 2, 3, 4, 5 pièces. Et ensuite, 6 petites extensions de chaîne. Voilà, donc je sais pas à quel prix je les mettrai. Donc, en tout cas, je pense que ça va être allez, 1 euro peut-être. Ça va peut-être être 50 centimes. Ça, je pense, ça va être 50 centimes. Mais ça, pareil, 50 centimes. Des breloques. Donc, c'est des breloques vendues par deux, 80 centimes les deux. Donc, on a des petites breloques. Ça, là, hirondelle. Des petites breloques boots de cowboy. Il y en a deux. Donc, je trouve que c'est mieux de vendre par deux parce que. Voilà quoi. On peut faire directement des paires de boucles d'oreilles en argenté également les boucles des petites filles en bronze, donc des petites têtes de filles en bronze, mais c'est plutôt des perles là. Des petits canards de bain, les petits jouets là qu'on a dans les bains en bronze, donc des petits téléphones rétro qui sont plutôt mignons, des petites sandales, voilà, celles-là je les adore, donc voilà, j'en ai plus beaucoup. Je les adore vraiment, vraiment, vraiment. Ça, donc, ça dépend de ce que tout le monde voit. Ce que vous voyez. Moi, je vois plutôt des poches à douille. Mais c'est plus des parapluies, je pense. Donc, voilà. Mais moi, je vois ça comme des poches à douille. D'ailleurs, je compte l'utiliser en tant que poche à douille. des petits escarpins en bronze. Des petits escarpins en argenté. Hop, et des petites mains comme ça, donc pareil, vendu par deux. Donc là, c'est une main qui tient Love, une main qui tient You. Hop, macro. Voilà. Donc je trouve ça très très sympa. Donc voilà, pour ce que je me débarrasse. Donc quand je me serai débarrassée de tout ça, vraiment, ce sera génial. Voilà. Donc je pense que je me débarrasserai d'encore quelques petits trucs que je vais vous présenter. Tout de suite, si j'ai un peu de temps, en fait, donc c'est ça, en fait, des petits sachets de faux sucre, voilà, donc je pense que ça va être 1 euro, je crois, il doit avoir 20 grammes, donc il y a du mauve, du gris un peu blanc, c'est plutôt du faux sable, en fait, du bleu, du jaune, et du noir, voilà, parce que je n'utilise pas, et aussi un moule, je me débarrasse d'un petit moule, comme ça, un petit moule madeleine que je mettrai, je pense, sur la boutique. Je mettrai les deux qui me restent sur la boutique. Parce que j'en avais acheté 6 en fait. Plaquette de 6. Et voilà. Et comme je sais que les madeleines sont beaucoup recherchées, voilà. Pour faire de la résine ou des autres choses comme ça. Donc je pense que ça va être allez, 10 centimes le moule. Voilà. Donc, voilà. Donc cette fois-ci, je pense que. Ouais, c'est vraiment terminé. Après, voilà. Après, sous les quelques informations en plus, dites-le moi en commentaire. Voilà. Pour les prix, je pense que je vous ai tout dit. Après, vous allez voir sur la boutique si des choses vous intéressent. J'aimerais vraiment débarrasser tout ça. Donc, voilà. À vous de voir. Si vous voulez, vous êtes intéressé par quelques petites choses. Donc, voilà. Si jamais par. Si jamais je rajoute des choses, je referai une petite vidéo comme ça. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !